Bonjour, je m'appelle David Timp, je suis employé d'administration pour l'administration communale d'Aubange. Je suis diplômé en gestion de ressources humaines. J'ai bénéficié d'un contrat d'adaptation à WIP de 2 ans depuis le mois de juillet 2002. Suite à un entretien avec le bourgmestre de l'époque, je faisais partie d'une commission de concertation pour la cellule PMR pour la commune d'Aubange. Et donc, intéressé par ma formation, le bourgmestre a demandé mon curriculum vitae. J'ai ensuite travaillé en tant qu'employé d'administration à 4/5e depuis le mois de juillet 2004. Donc voici mon bureau depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé précédemment au même étage, mais dans un bureau au fond du couloir. Malheureusement, la disposition du mobilier, la hauteur des meubles ne me correspondait pas. Et donc, il a fallu faire intervenir notre conseiller en prévention, qui était mon collègue à cette époque, et le docteur Raymond de chez Mensura. J'ai été interpellé par le conseiller en prévention de l'époque, qui était M. Dab, sur la situation de M. Imp, qui présentait une pathologie qui n'était pas du tout acceptable. C'était une pathologie qui était liée à sa position de travail. Donc le fauteuil précédent étant moins large, la position de travail que je devais adopter était plus ou moins celle-ci. Voilà. Donc ce qui n'était pas vraiment l'idéal, j'étais appuyé sur les côtes. Et d'un autre côté, donc, j'avais l'appui permanent sur mon genou gauche. Et donc en 2011, j'ai commencé à développer une bursite au genou gauche. Moi, j'ai transmis un rapport à la commune et au conseil en prévention. Et par la suite, j'ai vu que la situation s'était grandement améliorée. Nous avons commencé par descendre le bureau dont je disposais dans ce bureau-là. Et ensuite, nous avons fait une demande auprès de la WIP pour pouvoir bénéficier d'un fauteuil à largeur adaptée pour que je n'ai plus à m'appuyer sur l'accoudoir. Suite à une nomination en qualité de personne de confiance, j'ai également pu disposer d'un bureau seul avec un mobilier beaucoup plus adapté. L'avantage de ce fauteuil-ci, donc, est que la largeur est pratiquement sur mesure et donc je ne dois plus me mettre dans des positions de travail inadéquates. Voilà donc pour venir chercher mes impressions. Tout a également été adapté à ma hauteur et en cas de photocopie ou de scanner, mes collègues informaticiens ont prévu donc un clavier rabattable sur cette imprimante. Le but de la médecine du travail est de fournir à chaque travailleur un poste adapté. Et ici, la WIP est intervenue pour financer notamment le siège mobile qui était particulièrement utile pour l'adaptation de M. Imp. Mais pour moi, le travail ici en administration est une satisfaction personnelle avant toute chose. Le fait de pouvoir travailler comme toute personne, mais également grâce à l'agent en insertion au point de vue de la WIP, grâce à l'analyse de poste qui avait été effectuée par le docteur Raymond, j'ai pu bénéficier d'un poste adapté et donc ça me permet une certaine indépendance. Je peux me rendre d'un bureau à l'autre par moi-même, je peux descendre, aller à mon véhicule, tout faire par moi-même et donc il y a cette satisfaction. C'est parce que, vu que...